Bonjour. Alors, on va aujourd'hui faire un projet dynamique avec G2E. Donc, on va sélectionner Dynamic Web Project. On va nommer ce projet ici. Donc, tuto, par exemple, calcul. Avec l'environnement ou bien runtime Tomcat, on va laisser la version comme suit. Donc next. Alors, on pourra créer le fichier web.xml avec cette méthode. Donc generate descriptor sub. Donc on va créer le fichier web.xml. Donc, on va essayer maintenant de créer une nouvelle servlette. Donc, on va choisir un package. Et le nom de la servlette. Après, on va éditer l'URL mapping. Et voilà notre servlette. Donc, la notation web servlette fait le même fonctionnement qu'on va le faire dans le fichier web.xml. Donc, maintenant, alors, on va essayer de faire le fonctionnement de cette annotation dans le fichier web.xml pour voir. Le syntaxe, juste le syntaxe. Il suffit de mettre cette annotation et de ne pas mettre tout ceci ou bien tout le code dans le fichier web.xml. Alors, on va créer la notation servlet avec servlet name, donc c'est le nom de la servlette. Choisis le nom que vous voulez. Donc ce n'est pas nécessaire de mettre un nom précis avec la classe. Donc servlet-classe. Pour prendre la classe, on va essayer de faire cette méthode. Donc copy qualified name. Et on va essayer de taper servlet mapping. Donc on prend le nom de la servlette, c'est calcul, avec l'URL mapping. Donc voilà, c'est une autre méthode pour avoir le URL mapping. Donc ce n'est pas nécessaire de faire ça. Donc la notation web servlet fait tout ceci. Alors, maintenant, on va créer le package métier com.tuto.métier. Donc, ce package-là va comprendre la partie métier de notre application. Donc, je vais essayer de construire une interface métier qui va contenir une méthode pour calculer une opération simple. Basique. Alors, cette interface va comprendre une méthode. Donc, on va l'appeler par exemple calculer. Donc,
Cette méthode va renvoyer un entier int, ou bien un entier, donc c'est un int. Alors, va prendre en paramètre trois choses. Donc, int opérande 1 et int opérande 2 et l'opération qu'on voudra la faire. Donc, voilà cette méthode. On va essayer maintenant de faire une autre classe qui va implémenter cette interface. Donc, on va l'appeler par exemple iCalcul implément ou bien MPL, donc c'est-à-dire implémentation. Donc, implement, cette classe implémente l'interface qu'on a créée auparavant. Alors, avec la méthode calculer. Maintenant, on va créer une classe s'appelle CalculModel. Donc, c'est le modèle calcul va prendre quatre paramètres ou bien quatre attributs. Donc, c'est le résultat et l'opérande 1 et l'opération bien sûr et l'opérande 2. Donc, c'est une simple classe. Donc, par la suite, on va faire une connexion avec la base de données. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est a pour but de persister les données. Donc, la notion de persistance. Alors, on va essayer de créer un constructeur par défaut et un constructeur avec paramètres. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire tous les paramètres ou bien il n'y a pas d'erreur ou bien il n'y a pas de problème avec tous les paramètres. Donc on va essayer de prendre tous les paramètres avec les getters, les setters aussi. Donc voilà notre modèle. Maintenant, on va essayer de faire une vue. Donc la vue va contenir le formulaire qui va être envoyé vers la servlette pour la servlette qu'il puisse calculer les champs envoyés et renvoyer une ou bien un résultat vers le client. Donc un formulaire simple avec les labels et les inputs. Donc entrée l'opérande 1. Donc l'input de type texte. On va la caster après dans la servlette. Donc le nom ou bien le name. Donc qu'on va le prendre en paramètre dans la servlette. Ça s'appelait number one. Et donc le label two. On va faire copier-coller. Donc, on prendre le tag select pour faire les opérations. Donc, on ajoute les options, quatre options. Donc, c'est l'addition et la soustraction et la multiplication et la division. Donc, c'est un formulaire très simple. Donc, tout ceci dans ce tuto est très simple. Donc, juste une introduction vers les servlettes et la communication avec les GSP et aussi comment on pourra faire un modèle qui va contenir les résultats. Donc, par exemple, on pourra faire un modèle qui est très très comment dire
au niveau des données. Donc, on pourra stocker pas mal de données et faire interagir ce modèle avec la base de données. Donc, ceci juste à titre d'information. Et toutes ces méthodes-là sont similaires à celles qu'on va l'utiliser avec des données assez larges. Donc maintenant, je vais essayer de manipuler les méthodes, la méthode get. Donc request.get, request dispatcher. Donc on va renvoyer la servlette vers la vue. Donc calculvue.gsp, point forward request et response. Donc envoyer cette page avec la les requêtes et les réponses. Donc on va tester. Donc voilà, notre page est bien loadée dans le browser. On va par la suite faire un style pour qu'il soit lisiblement décoré. Alors, pour calculer cette méthode, on va essayer de prendre une variable result qui va prendre le résultat d'opération. Donc juste if else, donc c'est une méthode très simple. Multiplication et la division. Et voilà, donc notre méthode a été bien élaborée et bien faite. Donc maintenant, on va essayer de déclarer l'interface qu'on va l'utiliser dans la servlette. Donc private i calcul métier, donc on va l'appeler métier. Après, on va déclarer une méthode qui s'appelle init. Donc cette méthode, c'est une méthode d'initialisation, donc est initialisée au moment qu'on l'appelle à la servlette. Donc par exemple, on va l'utiliser dans l'établissement de la connexion avec la base de données. Donc maintenant, on va essayer de construire une nouvelle instanciation vers la classe iCalculImplement qui va être implémentée l'opération ou bien les opérations entrées par le client. Donc les opérations sont présentées dans le formulaire. Alors maintenant, voilà notre instanciation. Alors je vais faire request.set attribute avec un nom précis pour envoyer la réponse vers la page GSP. Donc on va essayer maintenant de faire dans le doGet un new model
parce que la page get ne fait rien, ou bien ne prendre pas en considération les requests. Donc toujours, on va envoyer une nouvelle réponse, ou bien une nouvelle requête, pardon. Mais dans la page, ou bien dans la méthode post, on va faire l'inverse. Donc on va prendre le modèle qu'on va l'utiliser tout de suite. Donc maintenant, on va faire l'action vers la servlette. Donc la servlette s'appelle calcul. Calcul, oui. Et avec la méthode post. Donc voilà. Alors, on va essayer maintenant de faire les traitements dans la méthode post. Alors, on va prendre les paramètres insérés dans le formulaire. On a trois paramètres. Donc, c'est l'opérand 1 et l'opérand 2 et l'opération. Donc, maintenant, on va prendre l'opération. Donc, c'est une chaîne de caractères. Alors, la méthode qui va prendre les paramètres, c'est getParameter. Donc, on va faire request.getParameter et le nom qui est dans le champ ou bien dans l'input ou bien la select. Alors, donc voilà, c'est l'opération. La même chose pour les autres. Donc, c'est l'opérande ou bien l'opérande, voilà, c'est l'opérande 1. Alors, request.getParameter, l'opérande 1. Aussi pour l'opérande 2. Donc, on va faire copier-coller. Mais après, on va caster cette request parce que l'input de cette request est de type chaîne de caractères. On va faire integer par point parsing pour caster cette request. Donc la même chose pour number ou bien l'opérand 2. Alors, maintenant, on va déclarer le modèle qu'on va l'utiliser. Donc, on va l'appeler modèle égale à new modèle, bien new calcul modèle, pardon. Donc, ce modèle contient les méthodes nécessaires. Donc, on va l'utiliser. Les setters et les getters. Donc, on va setter les attributs prendre en paramètre. Donc, premièrement, on va setter l'opérande 1 et l'opérande 2 et l'opération. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire le calcul avec la méthode déclarée dans métier, donc point calcul, calculer. Donc on va prendre les paramètres nécessaires entrés dans le formulaire. Voilà. Donc maintenant, on va setter cet résultat dans la méthode setResult qui est dans le modèle. Alors, on va faire request.setAttribute pour prendre le paramètre nécessaire et le renvoyer vers la page GSP pour afin
d'afficher les résultats calculés. Donc, voilà notre attribut avec le modèle qu'on a créé. Et n'oublions pas vers la page calcul vue donc .gsp. Donc, get request dispatcher, notre vue avec le forward. Alors maintenant, on va essayer de déclarer un modèle et ce modèle va prendre le paramètre envoyé par la servlette. Donc, premièrement, on va le caster, puis on va faire non request. Get attribute, l'attribut qu'on a déjà créé dans la servlette. On a oublié une chose, c'est le bouton submit, de type submit. Donc, c'est calculé. De type submit. Alors maintenant, on va essayer d'afficher les résultats calculés. Donc le résultat est comme suit. Donc voilà le modèle point get Result. Donc la méthode getResult va retourner le résultat calculé. Alors, on va tester. Moins 2, donc c'est quoi? C'est 10. Donc super. Tout le travail est fait complètement, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Donc on va essayer de faire un style pour cette page pour qu'il soit lisiblement, comme on a dit, décoré et avec un background qui est lisible et tout ça. Donc voilà, j'ai fait le style rapidement avec un fichier CSS, bootstrap.css et un style.css. Donc voilà, le projet est maintenant est complet. Donc voilà, je vais faire un autre test. Les résultats, c'est 12. Alors, merci beaucoup. Et on va essayer de faire un autre projet. À bientôt.